Salut YouTube, moi c'est Master Papou, je me suis lancé le défi de réussir une survie hardcore avec les progrès à 100%, c'est parti. Ok, alors des poules, ok on va laisser charger un petit peu, des poules, de la montagne, ok, il y a de l'eau, vous en pensez quoi là? Oh la génération, on a du fer visible, là-bas il y a du sable, là il y a de la canne à sucre, vous en pensez quoi? J'irai, oh il y a de la vache, ok, le soleil il est là, il monte, est-ce qu'on voit les jours? Ouais, ok, on est en day 0, ok. Ok, bah écoutez, ça me semble correct hein, ça me semble correct cette histoire là. Et ben on va prendre du bois. Et on va pouvoir commencer cette histoire ensemble. Hein. Survie hardcore, les gars. C'est parti, hein. Premier jour. Donc là, on va essayer de se faire du bois, de la bouffe. On a 1.19.2. Je suis sûr que tu vas mourir dès le début. Ah, on peut faire une prédiction si vous voulez. Hein. Je me fais pousser par les poules, là. Je vais vous découper dans un instant, les gars. On va faire la hache en premier. Ensuite, on va faire la pioche. Et on sera bien. Voilà. On récupère la table de craft. Et on va tuer de la poulette, là. Ok, donc là on est pas mal. Et j'ai mis un cuir là. Ah non, même pas, j'ai rêvé. Dommage. Alors le but, je vous rappelle, ce sera de faire tout ça. Ok, les progrès. Vous voyez tous ces progrès là? Et ben en gros, l'histoire c'est de faire ça. Ok. Pour accompagner ces petits moments accélérés, je ferai une petite voix off pour vous dire comment ça va. Moi ça va, abonne-toi sur YouTube, merci, ça fait plaisir. Donc là le but c'est très simple, récolter un maximum de ressources avant qu'il fasse nuit. Oh, faut que je rentre. Faut que j'aille me cacher. Bon écoutez les gars, on va faire le premier campement là. Ouais c'est parti, on va se positionner ici. Là, je suis deck, j'en ai eu que deux. Terrible. Il va faire tout noir. Pioche plus bas. Ben, c'est une montagne. Il peut y avoir des trucs stylés là quand même. Oh. Ah, bah alors là, on a un peu de chat. Bonjour. Alors, ça, c'est pas mal du tout là ce qui vient de m'arriver là. On découvre un petit. Il y a de l'or. Attention les gars, ça, c'est pas du diamant. Hein. Faites-vous pas avoir à chaque fois que je vous montre ça à l'écran, vous croyez qu'il y a du diamant et pas du tout. Hop là. Ah, du fer. Aïe. Du fer. Oh ouais, le fer. Oh, le fer qui me tombe dessus là, ça fait plaisir. Une douche de fer. Alors attendez, je suis pas équipé. Faites pas les fous avec moi s'il vous plaît. Donc là ça commence à être très chaud, donc je suis monté pour m'équiper. Je vais réaliser le progrès bonne pioche. Et on va redescendre un peu plus serein avec un meilleur équipement. Pourquoi mais... Il y a un truc qui va me tomber dessus, je le sens. Ne pas se perdre, ne pas se perdre. Ne pas se... Il y a du fer, du lapis. Oh c'est un bon filon ça. Ouais je l'ai entendu le squelette, je l'ai entendu J'avoue que je suis pas très très serein là. C'est quoi là-bas? Eh! Oh putain, mais s'il y a des araignées empoisonnées, je suis dans la sauce totale. Ça doit être un spawner araignée là-bas, c'est pas possible. Il y a de la toile et tout là, je le sens pas cette histoire. On prend le lapis, il y a encore du fer, ok. J'avance prudemment. Il y a du. Ouh là là, j'ai entendu ce que j'ai entendu. Oh putain, mais je sais pas où est-ce qu'elles sont, mais j'ai tellement peur qu'elles me tombent dessus là. Ah, creeper. Aïe. Alors vas-y, viens. Et voici, viens. Aïe, bouclier, ça fait du bien. Le lapis peut se miner avec la pioche en pierre. Ah, oh, mais maintenant que j'ai une pioche en fer, je vais pas. Bonjour, êtes-vous amical? Ah, j'ai pas l'impression que cette arrivée est amicale. Comment ça. Bonjour? Bah, elle est morte, hein. T'as dit quoi? Quel âge avez-vous? Bah, elle est morte. Ok, on a fait le haut fait chasseur de monstres. Oh là là, mais où je vais? Je vais encore me perdre. J'ai plus beaucoup de torches en plus. Bonjour, je viens. Il me regarde trop mal, lui, par contre. Je suis amical. Ah, il est pas amical, lui. Tiens. Bam. Alors là, c'est qui le patron? Bon, eh ben, on va explorer tout ça, hein, tranquillement. On va prendre tout ce fer. Ok, l'exploration est donc difficile, mais pas insurmontable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter, faire fondre tout ce fer pour améliorer mon stuff. Et je vais surtout aller prendre un peu l'air à l'extérieur pour voir ce qu'il y a autour de moi. Je sais pas si je prends du tout les bonnes décisions. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va pouvoir récupérer les émeraudes. Là, il y en avait une là. Il y en avait une là. Là. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour me repérer même. On va ramasser tout ça là. Attends, mais le soleil se couche là? Je vois les étoiles apparaître. Mais non, je suis jour 3, jour combien? Bah, c'est les premiers jours encore. Merde. Ok, bon bah il va faire nuit, donc on va se rentrer hein, tranquillement. Dans notre grotte. Hein. Ok, on a atteint la deuxième nuit. Je suis full fer et pour l'instant l'aventure se passe plutôt bien. Ah oui, salut! Bonjour! S'ils font, ils avancent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Oh bah heureusement que j'ai mis le bouclier, con! Me donne ton épée. J'y vais. Il viendra pas son épée. Ok, du fer. Alors, toi. Tu veux pas, il n'y a pas un spawner de toi là avec plein de trucs dedans? L'exploration se poursuit. Je suis vraiment de moins en moins serein. Mais. Ah pour me faire peur comme ça, merde. Hein. Oh le cri. Malade celui-là. Hein. J'étais pas là moi. Putain, j'ai pas envie de crever. Non. Hein. T'es mort. Ah! J'avais dit! J'avais dit!
Je l'avais dit. Ok, donc c'était vraiment très très chaud pour moi là. J'ai vraiment eu très peur de mourir. Donc du coup, que l'aventure se termine tout simplement. Donc je remonte à la surface. Ici, je me casse. Fin de la deuxième journée. Et on continue l'aventure. Et on a bien avancé dans les progrès aussi. Et on aura quasiment fini les Off et Minecraft. Après, je sais pas si ça va débloquer autre chose. Mais là, il y a quoi là? Chasseur de monstres, ok. Regardez un perroquet au travers d'une longue vue. Ah ouais, je vois que. Cette aventure se déroule en live sur Twitch. Et les viewers m'avaient prévenu. Une survie hardcore, le finir à 100%, c'est très très dur parce que certains progrès sont vraiment difficiles. Mais je lâche rien et on part explorer tout ce qu'il y a autour de nous. Ouais, il va faire noir là. Va falloir que je fasse rapidement ce que j'ai à faire. Ok, il y a un... ça là. Pouf, c'est de la merde. Oh merde, c'est nul à chier. Ok, je vais donc passer une nuit supplémentaire à l'extérieur. Et là, le but, ça va être de trouver tout simplement un village. On peut croire que j'ai eu beaucoup de chance, mais sincèrement, j'ai passé la journée entière à chercher ce petit village. Va devenir mon canasson, je te le dis. Toi et moi, on est fait pour s'entendre. Je le sais pas encore. Toi et moi, on est fait pour s'entendre, je t'ai dit. Oh là là, c'est un grippe omelé. Il y a pas mal de bébêtes là. Ah, ça, c'est bon, on est les meilleurs amis du monde. Et c'est la tête pleine d'espoir que je vais utiliser mon nouvel ami pour explorer un petit peu le village. Tu boudes toi ou quoi là? Qu'est-ce que tu... t'arrives quoi là? T'es bloqué? Les locaux sont un peu spéciaux, mais c'est pas grave. Là, je vais aller chercher le coffre que j'ai laissé sur mon bateau, revenir au village et essayer de faire un peu plus connaissance avec eux. Oh, mais ils sont tous... Ils sont tous ça? Comment ça se fait? Pourquoi ils sont tous ça? C'est à cause de ça? Non mais les gars, moi j'ai pas envie que vous soyez tous... Ah ouais d'accord, ils parlent leur métier instant. Allez hop, c'est des malades. Et en vrai ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ah il est là! Viens là copain! Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, 7! Oh ça va, j'en ai 8. Ah du j'ai vendu, c'est fait! Bon bah vas-y, on va creuser hein. C'est bardi, hein. Si pour l'instant la vidéo vous plaît, s'il vous plaît dites-le dans les commentaires, c'est très important pour moi. Merci à vous. Oh oui, let's go. Ça, ça fait plaisir, ça. Alors, va pas falloir me perdre. Mais là, là, j'aime bien, là. On survit hardcore sur Minecraft. On est quel jour, là? Jour 7. Déjà 7 jours que j'ai survie. Et là, mon objectif, c'est de trouver du diamant. Oh, oh. Oh, yes. Oh oui, oh, il est beau, celui-là. Oh ouais, toujours plus. Oh ouais. Oh là là. Attends, mais c'est combien, là? 6. C'est pas le max? Apparemment, on peut même en avoir 9 maximum. Mais franchement, je suis déjà bien content. Oh, oh. Mais c'est une blague! Mais non, mais n'importe quoi là par contre! Oh bah ouais, j'allais dire! Oh! Mais non, mais attends, c'est une connerie là! Vas-y, là, je vais me faire insulter là! Ah! Non! Quoi? Mais pourquoi? Attends, mais pourquoi? Fuck you! Attends, mais pourquoi je brûle? Arrête de brûler déjà, con! Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ça faisait un mur de lave, je pouvais passer aux crèmes! Ok, donc là j'ai vraiment eu très peur de mourir parce qu'on est en hardcore. Je vous rappelle que si je meurs, c'est terminé. Alors que je viens d'avoir du diamant, ça aurait été terrible. En vrai, il y a pas mal de trucs dans le coin quand même. Dont le truc de... Oh là là, la montagne, elle est stylée par contre. Hop, tu descends frérot. Enfin, je descends, pardon. On va récupérer ce magnifique portail. Voilà. Et là, je veux récupérer un portail, mais je fais une erreur de gros débutant. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Complètement con en fait. Je suis complètement... Ça va pas. Ça va pas, Baptiste? C'est pas net, non? Mais si, je suis très net. Je suis complètement demeuré, là, en fait. J'ai de la lave sous les pieds. Il va m'en falloir genre 11 plus je sais pas combien. Et moi, comme un débile, je suis en train de la recouvrir totalement. Au lieu de faire ça. Ah bah regardez, il est là le bloc. Il n'y en a pas toujours. Mais si, c'est juste qu'il est caché dans la lave les gars. Ok, donc là mon objectif c'est de récupérer un maximum d'obsidienne pour terminer ce portail et me créer aussi une table d'enchantement dans le village. Qu'est-ce qu'il va me proposer là? Efficacité 1. En vrai je prends hein. Efficacité 1, je mets hein. Tu vois ça quoi. Et voici le nombre de progrès qu'on a réalisé et la direction le Nether. Probablement une des plus mauvaises idées que j'ai eues aujourd'hui. Alors. Wesh. Frérot, plus proche de la lave la prochaine fois. Hein. Attends, mais c'est quoi ça? Je suis où là? Mais c'est une blague, regardez où je suis. Je suis dans rien. Oh là 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 là, mais quel truc de merde. Non, mais c'est une blague. Mais franchement. Quelqu'un a déjà eu ça là? Mais franchement, on est vraiment dans un truc quoi. C'est quoi là? C'est beau ou quoi? Pas très accueillant. Quoi? J'ai pas l'impression que je suis au bon endroit en fait. Hein. Il y a un puits de lumière. Mais allô quoi. C'est vraiment pas beau. Hein. Pas très accueillant comme a dit Fanny. Hein. On a connu plus sympa quand même. Hop là. Tellement concentré sa mère. C'est quoi ça? C'est beau. Oh mais le biome là.
Mais c'est terrible, hein. Oh. En tout cas, c'est joli, ça, là. Il y a un chemin, là, comme ça. T'as vu où, un ghast? Oula. Eh ben, dis donc, c'est pas encore maintenant que j'aurai une forteresse à portée de main. Hein. Je creuse là-dedans, comme ça, pour vous. Enfin, tout droit par là. Et là, comme une intuition, l'ultra-instinct, une manifestation divine. Oh, mais je trouve une forteresse. Oh, mais j'en ai trouvé une! Ni une ni deux, je sécurise l'endroit du mieux que je peux. Je fais un pont pour aller jusqu'à cette forteresse le plus sécurisée possible. Et en passant, je réalise ces deux progrès dans les heures. Franchement, je suis trop content. Tu fais quoi, toi? Tu m'agresses ou quoi? J'ai des bottes en or! C'est parti pour l'exploration de cette forteresse. Objectif, trouver un spawner à Blaze. Tracé là. Ah, et voilà. Par contre, j'ai pas de... Oh là là, ça va être terriblement dur. Mais armé plein de courage, je vais affronter les Blaze. Objectif, ramasser quelques bâtons. Je le one shot. Et là, sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Je reste dans le coin alors que je suis au plus mal. Après avoir vu ma vie défiler à de nombreuses reprises, je vais prendre un peu de recul. Ou pas? Ah, j'ai un problème en fait là, c'est que... J'ai presque plus d'épée quoi. Oh! 10 jours j'ai tenu. 10 c'est bien, c'est vrai. Pour une première c'est ok non? Tu peux pas faire 100 du premier coup. Ouais c'est vrai. Ah je suis dégoûté aussi hein. Je n'irai pas dans le nether en stuff fer en fait hein. C'est pas possible hein. Là j'étais full fer. Ok les gars, j'espère que cette aventure vous aura plu. Franchement je suis un peu déçu d'être mort si tôt. 10 jours on a tenu, franchement ça fait trop plaisir. Mais on lâche rien les gars. On va refaire ça d'ailleurs, on a déjà recommencé en live. On est jour 13 donc n'hésitez pas à me rejoindre en live pour voir ça de vos propres yeux. Et effectivement je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à lâcher un petit commentaire pour me dire quel moment préféré est celui de votre vidéo. Non, c'est pas ça la phrase. Abonnez-vous.